difficile pour nous de ne pas parler de la COVID-19. Par contre, on avait le souhait que nos échanges soient positifs et inspirants. Et la fameuse phrase du docteur Arruda, « Ce qui peut être vrai aujourd'hui pourrait être faux demain », nous a inspirés. Oui, elle a initialement été dite dans un contexte de recherche et de santé, mais cette phrase pouvait aussi très bien s'appliquer au milieu de l'éducation. Nous sommes très conscients que les milieux sont chamboulés, que les repères sont disparus et que le stress et les inconforts sont à leur comble dans de nombreux milieux. Nous ne mettons pas du tout ces éléments de côté, même au contraire. Toutefois, on avait le goût, minimalement le temps d'un après-midi, d'essayer de regarder la situation d'un œil plus positif. Ce qui peut être vrai aujourd'hui peut être faux demain. On l'a vu encore cette semaine, alors que de nouvelles mesures étaient mises en place dans certains milieux. Des changements, il y en a presque tous les jours, et ça depuis plusieurs mois. Donc, on peut imaginer toute la turbulence qui est vécue dans les milieux. Mais quels sont les apprentissages que nous avons faits depuis le début de la pandémie? Est-ce qu'il y a des pratiques qui ont été modifiées positivement? Est-ce que la situation a seulement du négatif? Et c'est dans cette foulée-là que les panélistes vous partageront leur vision des choses aujourd'hui. Alors, avec moi à l'écran, j'ai 6 panélistes de grande qualité que j'ai très hâte de vous présenter. D'ailleurs, je prends un instant pour remercier les membres du conseil d'administration qui nous ont aidés à trouver ces panélistes. Merci beaucoup de votre aide, elle était très appréciée. Alors, cet après-midi, les panélistes prendront tour à tour la parole pour la première partie du panel. Et par la suite, nous aurons une période de questions basée sur les questions récoltées dans les dernières semaines à cet effet-là. Les participants ont reçu un courriel disant qu'ils pouvaient poser une question. Toutefois, je vous rappelle que durant tout le panel, vous avez encore l'option du question-réponse pour poser vos questions aux panélistes. Les panélistes sont au courant, ils ont accepté d'y répondre. Et encore, comme durant la première partie, soyez sans crainte, si vous n'avez pas de réponse cet après-midi, les panélistes nous ont mentionné que nous pouvions leur transférer des questions par courriel par la suite et qu'ils prendront le temps d'y répondre. Alors, sur ce, j'irai dès maintenant avec la première panéliste. Nous avons la chance d'accueillir Marie Delassonde, qui est présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Depuis le début de la crise, le Conseil est resté en contact avec les acteurs du terrain afin d'alimenter les réflexions, notamment par le biais de cellules Conseil qui réunissent des membres autant de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement supérieur et de la formation continue. Et Mme Lassonde est donc très au fait des changements dans différents milieux et tentera d'en faire ressortir certains éléments positifs. Alors, Mme Lassonde, la parole est à vous. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invitée à partager un petit peu de réflexion avec vous. Effectivement, comme Claudia le disait au tout début de l'Assemblée, nous aussi, le 13 mars, on est tous passés en télétravail, puis on s'est dit comment on va faire dans cette crise pour pouvoir rester en contact avec le terrain, en fait. Et puis, comme le disait Claudia, on a fait appel à nos commissions, à nos membres de nos commissions. On leur a dit, est-ce que vous pourriez venir nous parler le midi, nous parler de ce qui vous trouble, quelles sont vos inquiétudes, ce que vous vivez sur le terrain? Puis on a eu une très belle réponse. On a eu donc de très belles rencontres avec ce qu'on a appelé nos cellules conseil. Et parmi les premières inquiétudes qu'on nous a rapportées, bien, c'était la question de bulletin. Comment on va faire pour faire produire un bulletin alors qu'il n'y a plus de cours? L'école est fermée et tout ça. Alors, on s'est dit, il faut essayer de trouver des réponses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé extraire dans nos avis des éléments de réponse pour essayer de faire face à ces inquiétudes. Et on a produit ce qu'on a appelé notre conseil de la semaine, à toutes les semaines, donc une petite capsule. Et la première, bien, c'était justement, ça s'appelait l'évaluation des apprentissages, bien plus que des examens. Là, on a rappelé à tout le monde, finalement, des éléments de notre rapport sur l'état des besoins en éducation qu'on avait publié en 2018. Ça s'appelait « Évaluer pour que ça compte vraiment ». On a rappelé finalement que l'évaluation, c'est ça, son premier but, c'est un but d'apprentissage. Et donc, on a dit aux gens, servez-vous de vos traces, des diverses traces de production que vous avez. On a encouragé le grand jugement professionnel des gens qui étaient sur le terrain. Et donc, on s'est dit, il y a moyen finalement de produire un bulletin, de produire sans avoir des examens ou comparer l'enfant à la moyenne du groupe. Alors, donc, ça, c'est un exemple de nos,
de nos capsules. Au niveau collégial, on était très heureux aussi parce que la notion de réussite ou échec qu'on avait, nous, promue dans ce même rapport, on était très contents parce que c'est ce qui a été utilisé dans plusieurs cas. Mais là, on a vu vraiment, et on a aussi produit un conseil de la semaine là-dessus, c'est qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures en ce qui concerne l'éducation aux adultes et formation continue. Eux et elles ont été obligés de retourner en classe, de faire des examens, alors qu'ils n'avaient pas non plus été en contact avec la matière depuis plusieurs semaines, en gros. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a souligné, finalement. Donc, du bon, du mauvais, il y avait vraiment des deux côtés. Je vais vous donner un autre exemple aussi de souplesse ou de flexibilité qu'on a pu voir. C'est ce fameux passage rapide et obligé à la formation à distance. Alors, c'est sûr que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des niveaux de préparation bien, bien différents au primaire, au secondaire, au collégial, universitaire. C'est complètement différent. Mais on a pu voir aussi des efforts incroyables, très différents d'une école à l'autre. Donc, il y avait des enseignants qui mettaient une caméra dans leur salle de cours, qui avaient sur un autre écran l'enfant qui était à la maison, qui posait des questions. Mais il y en avait d'autres qui disaient, nous, on fait ça après nos cours. Alors, on a pu voir une variabilité d'usage. C'était un peu inquiétant, en fait, de voir que d'une région à l'autre, d'une école à l'autre, il y avait vraiment des ressources très différentes. Puis ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a une reproduction des inéquités. L'école privée, dès la fermeture des écoles, le lendemain, les enfants étaient en télétravail. L'école publique, bien, ça variait beaucoup. Ça variait aussi selon l'accès à l'Internet. Juste pour vous dire, on avait une enseignante du primaire qui, pour venir à nos cellules conseil, elle sortait de son école pour aller dans la cour de récréation du cégep parce qu'elle n'avait pas assez de réception Wi-Fi pour venir nous dire ce qui se passait dans sa classe. Alors, donc, vraiment beaucoup de variabilité, mais en même temps, une résilience incroyable, des efforts superbes. Puis, il faut dire aussi que des efforts aussi liés au récit, école en réseau, les cours à la TELUC, à l'OPROF, tout ça, je pense que ça a pu vraiment servir d'assise à cette formation à distance qui, selon moi, a quand même eu de très, très bons résultats. Ben, de très bons résultats, entendons-nous, mais qui ça peut promettre, en fait. Voilà, alors je pourrais vous en dire un petit peu plus à la période de questions si vous le souhaitez, mais ce que je peux vous dire aussi en primeur, c'est que notre prochain rapport sur l'état des besoins en éducation va être un rapport sur une année et ça va concerner le bilan COVID et éducation, couvrant tous les secteurs de la prématernelle jusqu'à l'université, incluant la formation continue. Nos cellules conseils vont nous aider beaucoup à faire ce bilan-là. Voilà. Merci beaucoup, Mme Lassonde. Et ce bilan-là sera disponible sur votre site web, j'imagine. C'est bien ça? Le bilan COVID va être disponible à la fin de notre année. Donc, on commence les travaux du comité, le comité sur le rapport sur l'état et les besoins en éducation commence ses travaux maintenant. Donc, d'ici un an, ça va être sur notre site. Bon, bien, super. Merci beaucoup. OK, pardon, j'ai eu un petit problème de micro. Alors, maintenant, poursuivons immédiatement avec le second panéliste. Il est professeur en pratique éducative au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis le début de la pandémie, nous avons eu l'occasion de lire plusieurs de ses textes et nous sommes très heureux aujourd'hui qu'il vienne nous partager sa vision sur les changements qui émergent de la situation. Alors, je laisse la parole à M. Stéphane Allaire. Merci Claudia, merci au CETREC pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici pour réfléchir avec les autres intervenants et vous-même. Alors, écoutez, mon propos, moi, va s'articuler en trois temps. D'abord, je vais vous présenter trois points positifs qui résultent de la situation de pandémie. Ensuite, je vais me permettre de présenter une lacune de notre système qui est mise en exergue par la crise sanitaire. Je vais terminer en présentant un espoir que j'ai dans tout ça. Alors, un premier point positif que je vois de la pandémie, c'est qu'on n'a jamais autant entendu parler de science et de recherche.
leur impact sur chacun de nous puis sur le fonctionnement des sociétés est évident plus que jamais, puis ça ne concerne pas uniquement la santé, ça concerne l'éducation également. On comprend, je crois, de mieux en mieux les retombées de la recherche, mais aussi la nature de ce travail-là. Par exemple, on constate que même si on est dans une situation de grande urgence, une solution sérieuse à un problème complexe, ça prend du temps à trouver. Alors, il n'y a pas de solution magique. Faut toutefois faire attention, je pense, à l'association qu'on fait lorsqu'on parle d'impact concret de la science. Ça ne concerne pas uniquement la recherche qu'on dit appliquée. Puis aujourd'hui, on le voit avec la crise sanitaire, la situation dépend en grande partie aussi de la recherche fondamentale. Mais malheureusement, c'est une recherche qu'on ne reconnaît pas toujours à sa pleine valeur. Alors, même si les impacts de cette recherche fondamentale-là sont souvent différés dans le temps, moi, ce que je constate, c'est qu'on réalise qu'elle est autant pertinente et nécessaire que d'autres formes de recherche. Alors, comme second point positif, ce que je dirais aussi, c'est que la pandémie a amené les parents à mieux comprendre toute l'exigence du travail des enseignants. Puis je nous ramènerai un peu à la difficile conciliation du télétravail puis à la gestion des enfants à la maison lors du confinement prolongé au printemps. Moi, ce que j'ai pu voir, entre autres, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une espèce de mouvement de reconnaissance implicite à l'égard des enseignants qui en a découlé. Puis quand on prend en considération l'importance de la relation école-famille, cette prise de conscience-là, pour moi, elle est des plus positives. Le troisième point favorable qui découle de la pandémie dont je voudrais parler pour le moment, c'est cette prise de conscience accrue quant à la pertinence de la mission de socialisation de l'école. Encore là, je vous ramène au début de la pandémie. Rappelez-vous un peu l'évolution du discours qu'on a vu dans les médias le printemps passé. Au début, on craignait beaucoup qu'il manquerait des apprentissages aux élèves. Ensuite, l'annulation des examens a donné lieu à une autre crainte, celle de l'incapacité de statuer sur le niveau de progression des élèves, comme s'il n'y avait pas d'autre moyen d'y parvenir que de faire passer des examens. Puis, enfin, on a réalisé la solitude que les jeunes ont vécue par ce confinement. Et d'ailleurs, il y a une étude là, très, très pertinente qui est en train d'être menée par des collègues de l'UCO qui se penchent là, spécifiquement sur cette question-là. Donc, évidemment, les volets d'éducation et de qualification de la mission de l'école québécoise sont très, très importants. Je pense aussi que la pandémie nous rappelle que la socialisation est aussi un aspect majeur du développement d'une personne. Je vais poursuivre en vous expliquant ce que je considère être une lacune pour notre système, une lacune qui est mise en exergue par la pandémie. Je la présente comme une lacune, mais il faut voir aussi qu'il y a des capacités individuelles et collectives qui sont sous-utilisées. Donc, c'est pour ça que je la présente. Puis, en fait, c'est une lacune qui est différente d'une autre lacune qui est évidente et désolante, qui est celle de l'accentuation des inégalités. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de l'organisation scolaire au secondaire. Une organisation qui est statique, pour ne pas dire figée dans le temps. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est une organisation qui offre très, très peu de flexibilité dans la façon de dispenser l'enseignement. Par exemple, en mode hybride. Pourtant, si on avait implanté un enseignement hybride dès le début de l'année scolaire 2021, on aurait pu offrir une nécessaire stabilité et prévisibilité aux élèves, tout en conservant un lien social, mais aussi en diminuant les risques de propagation du virus via le milieu scolaire. Donc, moi, j'ai envie de poser comme question, comment ça se fait qu'on n'a pas planifié un tel mode d'enseignement et qu'on doive maintenant y recourir comme une espèce de pis-aller dans les zones rouges depuis quelques jours? Alors, je vous propose deux pistes de réflexion. La première, c'est que la pandémie nous met devant une difficulté collective à formaliser des innovations au sein de notre système. Parce que, on va se le dire, là, des initiatives et des modèles porteurs, il y en existe au Québec, qui s'en développent depuis 20 ans. D'ailleurs, je pense que Sonia Quérion va nous parler d'une de ces initiatives-là dans quelques instants. Mais malheureusement, on parvient trop peu à déployer ces initiatives de façon étendue puis à les intégrer aux structures existantes pour que ça ne soit plus uniquement des à côté. Donc, le résultat que ça donne, c'est que notre organisation scolaire est très statique. Elle tolère ces initiatives-là, mais elle ne s'en inspire pas pour se transformer en profondeur. La deuxième piste
de réflexion que je vous soumets par rapport à ça, c'est qu'elle réside dans le financement du numérique en éducation. Et moi, ce que je trouve, c'est que la pandémie illustre que les investissements ont principalement ciblé ce que je vais appeler la quincaillerie intramurale plutôt que le développement d'une capacité socio-numérique collective. Ce que j'entends par cette capacité-là, c'est un usage du numérique pour tisser puis maintenir du lien social, de la collaboration, une relation pédagogique puis des interactions à des fins d'apprentissage. J'ai envie de dire, le numérique, c'est d'autres choses que des outils, c'est d'autres choses qu'un portail de site web, c'est une posture, c'est du relationnel qui peut dépasser les murs d'une classe. Alors, malheureusement, moi, je trouve qu'on y a trop peu porté attention, puis aujourd'hui, on en voit des limites importantes par rapport à notre capacité à adapter l'organisation scolaire à la situation de crise. Je termine avec mon espoir sur une note un peu plus positive que ce que je viens de mentionner. Vous le savez, hein, c'est pas d'hier que les enseignants ont l'impression qu'on considère peu la réalité de leur pratique. Mais ce sentiment-là semble atteindre un point de rupture pendant la pandémie à l'heure actuelle. C'est une situation que je considère désolante, mais il y a quand même un espoir derrière ça. C'est qu'il y a une nouvelle voie qui s'élève pour les enseignants. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu là, sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels, mais il y a un enseignant du secondaire de la région de Québec qui est en train de mettre sur pied une association pour faire valoir la perspective spécifique des enseignants. Donc, c'est une initiative qui est portée par et pour des enseignants et je la trouve très, très rafraîchissante. J'espère qu'elle va réussir à rassembler le plus de gens possible. Et si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les publications de cet enseignant-là qui s'appelle Sylvain Dancause, qui est le porteur de l'initiative. Alors voilà, je m'arrête ici pour laisser la parole aux autres. Je vous remercie de votre attention. Puis, comme Mme Lassonde, ça me fera plaisir de recevoir vos commentaires et de répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Allaire. Tout au long de votre présentation, moi, je voyais les autres panélistes qui hochaient la tête. Donc, j'ose imaginer que les gens à la maison qu'on ne voit pas, beaucoup se retrouvent dans vos propos également. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le tour d'Isabelle Cabot, qui est professeure de psychologie et chercheuse au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Drôle de hasard, parce qu'en 2018, elle commençait une recherche sur l'aide virtuelle ou en présence. Donc, de l'aide virtuelle ou en présence, le spectre des possibilités d'un centre d'aide hybride est fait sur la motivation, la réussite et la persévérance scolaire. Elle n'a pas encore terminé, mais nous pouvons quand même dire qu'elle est vraiment dans le thème. Donc, elle abordera les considérations des praticiens à l'égard des compétences technopédagogiques. Madame Cabot, je vous laisse la parole. Merci. Je vais commencer par remercier le CETREC de m'avoir invitée et de m'avoir forcée à faire l'exercice de ne parler que de positif en termes de conséquences de la COVID. J'ai trouvé l'exercice un petit peu difficile au début, mais vraiment intéressant à mener. Pour vous mettre en contexte, moi, je fais de la recherche appliquée au collégial. Je m'intéresse aux étudiants en grande difficulté au collégial. J'étudie leur motivation à apprendre. Dans le cadre de ces études-là, évidemment, mes principales mesures sont administrées auprès des étudiants. Sauf qu'à la fin de chacune de mes études appliquées, je passe des entrevues avec les praticiens qui ont mis en place les stratégies pédagogiques que j'ai mises sur pied pour documenter la mise en place de tout ça, leur point de vue dans cette mise en place-là, leurs conseils, leurs recommandations par rapport à ces stratégies pédagogiques-là. Et c'est à travers ces entrevues-là auprès des praticiens que j'ai trouvé toutes sortes de choses positives à dire aujourd'hui. ce qui ressort, bon, les entrevues ne sont pas terminées, ils sont en cours, mais ce qui ressort de plus positif dans les propos des praticiens touche aux compétences. Disons qu'il y a trois éléments principaux qui ressortent. Les compétences réelles qu'ils ont développées, leur perception, leur sentiment de compétence aussi par rapport à la technopédagogie et la reconnaissance de leurs compétences aussi des autres. C'est ça qui ressort le plus dans les entrevues. Donc, pour ce qui est des compétences réelles, avant la pandémie, les compétences étaient très hétérogènes parmi les praticiens. Disons qu'aujourd'hui, depuis la pandémie, depuis le premier confinement, le niveau de compétences réelles de base a vraiment augmenté. Le niveau
de base a augmenté. Au-dessus de ça, il y a encore beaucoup d'hétérogénéité. Il va toujours y avoir des gens plus compétents, moins compétents. Mais disons que le niveau de base des compétences réelles a vraiment augmenté. C'est pareil aussi pour les étudiants. Il ne faut pas prendre pour acquis que les étudiants sont tous compétents à utiliser les technos pour apprendre. Pour ce qui est du sentiment de compétence, leur perception de leurs compétences, ça aussi, ça a augmenté après le premier confinement. Donc, ce qu'ils disent, mes praticiens là, que j'ai passé en entrevue, la plupart d'entre eux m'affirment que oui, ils se sentent plus compétents à utiliser la techno pour donner du soutien pédagogique depuis la COVID, okay? À cause de l'urgence et de l'obligation à développer leurs compétences. Certains d'entre eux n'ont pas été capables de répondre à ma question. Certains d'entre eux m'ont dit, mais je ne suis pas capable de dire si je me sens compétente actuellement parce que je suis trop pris présentement dans l'urgence. Présentement, la semaine prochaine, j'ai un examen. Je ne sais pas comment je vais faire pour évaluer mes étudiants à distance. Là, je suis saturée cognitivement. Je suis anxieuse. Je ne suis pas capable de dire que je me sens compétente. Mais je m'attends à la fin de la session à être vraiment très fière de moi. Celles qui n'ont pas été capables de me répondre sur leur sentiment de compétence actuel m'ont toutes dit qu'elles s'attendaient à se sentir compétentes à la fin de la session. Donc, ça, c'est le point de vue positif de la chose. Donc, moi, je pense que pendant le processus de développement de compétences, il y a peut-être quelque chose qui vient voiler cette perception-là que les praticiens peuvent avoir de leurs propres compétences, comme la saturation cognitive ou l'anxiété. Ça peut venir voiler leur perception d'être plus compétent, mais ils s'attendent tous à ressentir ça, ce sentiment de compétence-là. Fait que ça, c'est positif. Ensuite, la reconnaissance des compétences des praticiens, ça aussi, c'est ressorti dans les propos. La reconnaissance provenant de pairs et provenant des étudiants. Donc, ce que j'ai entendu dans les entrevues, c'est là, j'ai des collègues dont je ne m'attendais pas à avoir des compliments qui viennent vers moi pour avoir des conseils pour, par exemple, savoir comment utiliser Zoom avec mes étudiants, puis savoir comment donner un feedback vidéo personnalisé à mes étudiants. Alors, cette reconnaissance-là de leur part semble être différente depuis la pandémie. Et la reconnaissance qui provient des étudiants, c'est pareil. Les enseignants, les praticiens m'ont dit, j'ai reçu des compliments et des remerciements de mes étudiants. Ça n'arrive pas vraiment souvent, ça, chez nous, en tout cas, au collégial. On n'a pas tant que ça de remerciements et de reconnaissance explicite qui provient de nos étudiants, alors que présentement, il y en a vraiment beaucoup, on en reçoit beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Dans mon cégep, par exemple, la direction des études a mené une petite enquête auprès des étudiants sur leur vécu du premier confinement au printemps. Ils ont reçu plus qu'une centaine de réponses des étudiants. Tous les étudiants ont explicité leur remerciement, leur reconnaissance de ce que leurs enseignants ont déployé comme énergie pour s'adapter à la crise, pour continuer à les aider dans leur parcours scolaire. Donc, c'est vraiment beau, là, cette reconnaissance-là que les enseignants reçoivent comme beaucoup d'énergie pour se motiver à continuer comme ça dans cette voie-là. Alors, ça, c'est le positif qui ressort comme conséquence de la pandémie que j'ai pu retrouver dans mes données de recherche jusqu'à maintenant. Et je voulais aussi souligner que je suis vraiment très d'accord avec M. Allard tantôt quand il parlait des capacités socio-numériques là, qu'on devrait développer davantage. Ça serait quelque chose de positif de plus à développer comme compétence dans l'utilisation de la techno dans le soutien pédagogique. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Cabot. Merci d'avoir accepté et réussi, je crois bien, d'avoir fait ressortir le positif. J'ai hâte de voir avec la présentation de M. La Rochelle tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir des liens à faire avec les compétences technopédagogiques chez les enseignants. Alors, maintenant, oui, puis aussi, n'hésitez pas lorsque votre recherche, voir si vous avez plus de résultats de recherche là, à nous les partager, je suis certaine que bien des gens les attendent.
Alors, c'est maintenant le tour de Sonia Quirion, qui est une enseignante de cinquième année au Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Elle va nous plonger dans l'univers de sa classe en temps de pandémie et nous partager son expérience. Alors, Madame Quirion, c'est à vous. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Je vais d'abord partager mon écran. J'ai des petites images pour que vous puissiez un peu voir là, vraiment comment ça s'est passé là, au primaire. Alors, je partage mon écran maintenant. Donc, alors, comme Claudia l'a dit, j'enseigne en cinquième année à Saint-Georges-de-Beauce et moi, je travaille particulièrement depuis quelques années en co-enseignement. Donc, avec ma collègue Lynne Veilleux, on a ensemble 52 élèves dans notre groupe. Si je me replonge, le 13 mars dernier, quand notre direction d'école a annoncé la décision du premier ministre de fermer les écoles, moi, les élèves dans notre classe se sont mis à pleurer, littéralement. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver, ils étaient inquiets, ils ne savaient pas si on allait pouvoir poursuivre nos projets, quand on allait se revoir. Donc, on avait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et là, à ce moment-là, déjà, on ressentait que ces enfants-là avaient besoin qu'on garde un lien entre l'école et eux. Alors, ce qu'on a fait tout d'abord, ma collègue Lynne et moi, bien, on a utilisé ce qu'on avait en place, donc la page Facebook de notre classe pour envoyer des petites vidéos aux parents, pour leur dire un petit peu comment ça se passait, leur donner des petits travaux à faire, des petites vidéos explicatives des trousses du ministère, et on envoyait des courriels aux enfants là, pour les tenir informés. Les parents, eux, bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous renvoyaient le travail des enfants. Donc, si on avait un travail à faire en sciences, bien, ils filmaient l'enfant, puis là, on partageait ça entre toutes les familles là, de notre classe. Et les enfants aussi nous envoyaient plein d'activités familiales qu'ils faisaient, des soupers presque parfaits, des recettes de gâteaux. On a eu là, vraiment, on pourrait faire un beau livre de recettes avec tout ce qu'on a reçu là, comme activité familiale de recettes. On avait des personnes qui aimaient faire des recettes. On a même eu notre directeur qui s'est mis au fourneau. Parce que là, les élèves partageaient leurs recettes sur notre page Facebook et le directeur a décidé, lui, qu'il se mettait au fourneau. Et moi, je voulais vous en parler parce qu'il n'a pas réussi la recette de mon élève. Donc, il s'est repris à plusieurs reprises et il a dit aux enfants que lui, c'était une personne persévérante. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple de persévérance de notre direction d'école. Mais comme je vous disais, plus on voyait ça aller, ma collègue et moi, plus on se disait « il faut qu'on se connecte ». Alors, ce qu'on a fait dans la deuxième ou troisième semaine de confinement, bien moi, depuis environ 15 ans, j'ai fait partie des écoles du projet de l'école en réseau. Mais l'an passé, pour différentes raisons là, qu'on a eues, ma collègue et moi, on ne s'était pas inscrite. Donc là, moi, j'ai communiqué avec la directrice de l'école en réseau. Puis là, j'ai dit « il faut qu'on réintègre ça, c'est primordial, on en a besoin pour se connecter avec nos enfants. » Fait qu'elle a accepté, bien sûr, et elle nous a aussi proposé de faire partie d'un projet pilote sur la continuité pédagogique. Fait qu'en plus de pouvoir connecter avec nos élèves, bien, on avait la chance, ma collègue et moi, de parler chaque semaine avec des profs de partout au Québec, des profs qui vivaient un peu la même chose que nous, qui travaillaient avec École en réseau. Donc, on partageait nos façons de faire, les outils qu'on utilisait. Bref, on se faisait de la formation à distance en réseau. Si je reviens à mon enseignement, bien, c'est sûr qu'au début, on a été obligés, Lynne et moi, d'aider les familles à se brancher. Puis là, on a vu un bel exemple de collaboration. On a une élève qui était plus habile en technologie. Et elle nous aidait. Elle appelait les amis de la classe pour qu'ils se branchent, puis qu'on puisse vite, vite, vite être tous ensemble, puis enfin pouvoir se parler. Fait qu'on a réussi à créer notre classe en réseau. Et là, la première rencontre, bien, c'était tout en émotion. Les enfants, ils devaient s'exprimer, ils nous présentaient leurs chiens, ils nous faisaient entrer dans leur maison, les petits frères, les petites sœurs. Alors, on a vraiment là, repris nos liens. C'était très différent en classe, mais c'était très, très émouvant. On a eu la psychologue de l'école aussi, parce qu'on s'est servi de nos spécialistes à l'école. Donc, la psychologue qui est venue les rencontrer, qui est venue leur parler de la crise, qui est venue les rassurer, leur dire que les enfants pouvaient lui envoyer des questions. Puis, on a des parents aussi qui ont écrit à la psychologue là, pour avoir des petits trucs pour aider les enfants là, qui étaient plus anxieux. Donc, on s'est occupé du côté affectif de nos élèves au tout début. Et ensuite, bien, c'est sûr que là, on voulait aller du côté pédagogique. Donc, on a fait une rencontre avec les parents un soir. Puis, on a quand même eu 42 parents qui se sont présentés là, sur VIA pour qu'on puisse leur expliquer un petit peu notre plan de match au niveau de l'enseignement. Ils étaient très rassurés qu'on
prennent en charge là, l'enseignement, les trousses du ministère, parce qu'eux autres, ils se sentaient complètement dépassés. Plusieurs étaient en télétravail, donc c'était difficile. C'est là qu'on a commencé notre vraie aventure d'enseignement à distance. Puis avec École en réseau, bien, on a pu vivre deux projets avec des élèves de d'autres centres scolaires. Tout d'abord, on a vécu l'art postal. Les enfants, c'était un projet d'art plastique à distance. Ils faisaient une œuvre d'art sur une enveloppe, composaient un petit message pour quelqu'un de la famille, peut-être, qui pouvait se sentir tout seul, puis ils l'envoyaient par la poste ensuite. On a aussi une activité de mathématiques, de classe nature, qui a été faite par une enseignante du Saguenay. Elle est venue proposer une activité de mesure aux élèves. Donc, avec les parents, les élèves ont travaillé l'air, le périmètre sur le terrain de leur maison. Ils devaient envoyer les photos à l'enseignante par la suite. Nous, en classe virtuelle, bien, c'est sûr, on a fait plein d'activités. On a utilisé plusieurs outils. Les élèves se présentaient puis on travaillait tous ensemble, mais on pouvait aussi travailler en atelier. On a la possibilité de séparer notre groupe en atelier et l'orthopédagogue s'est joint à nous. Puis on pouvait aller aider les enfants. On avait nos élèves, on savait qu'il y avait peut-être plus de difficultés. Donc, on ciblait certaines équipes qu'on avait créées dans les ateliers et on pouvait aller donner un petit coup de pouce à ces élèves-là. En français, on a aussi travaillé la lecture. On a travaillé des lectures d'albums, l'écriture. Et là, les élèves nous ont présenté des vieilles choses qu'il y avait à la maison. Ils nous ont fait des textes et fait des présentations orales, en fait, sur ces vieilles choses-là. Je vous dirais qu'on a vécu des moments précieux, des enfants qui nous parlent d'héritage de leur famille, mais du côté émotif, c'était vraiment intéressant. Les parents, souvent, étaient présents aussi, écoutaient tout ça. C'était vraiment là, des occasions spéciales de créer des liens avec la famille. Quand on a annoncé le retour à l'école en mai et toutes les mesures qui devaient être mises en place, on savait, Lynn et moi, que ce serait encore une fois une période de stress, d'incertitude pour les parents. Pour nous, oui, mais pour nos parents, nos enfants. Donc, on a quand même, on s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a fait encore une réunion le soir avec les parents. On leur a demandé de se brancher pour leur donner des petites pistes de comment ça allait se passer. Mais à notre surprise, ce n'est pas juste des parents qui se sont branchés, c'est des familles au complet qui venaient nous voir, qui nous posaient des questions, qui étaient là pour comprendre puis pour se faire rassurer. Ça a vraiment été un beau moment aussi. Et on a eu le retour en classe en mai. Alors là, notre gros groupe était séparé en trois. C'est une collègue d'art plastique du secondaire qui prenait en charge le troisième groupe. On a donc décidé d'utiliser encore une fois École en réseau pour que nos élèves puissent continuer leur parcours scolaire dans l'école, mais de la façon la plus normale dans la situation possible. Avec les enseignants spécialistes, bien, ils ne pouvaient pas être à trois places à la fois. Ce qu'on faisait, on les branchait et les enfants pouvaient avoir leur cours d'anglais, leur cours de musique. Alors, on le voit ici à l'écran, là, on avait différentes choses que les enfants pouvaient faire. On faisait du français, les trois ensemble. Puis, on avait un projet d'entrepreneuriat avec la SPA Beau-Sept-Chemin. Puis, on a même pu se brancher avec eux autres pour remettre là, tout ce qu'on avait ramassé avant le mois de mars comme sous pour les financer. Cette année, le retour à l'école, bien, 2020-2021, c'est encore différent. C'est sûr, c'est pas comme on a connu avant. Ce qu'on essaie de faire avec les enfants, bien, c'est que ce soit le plus normal possible, mais tout en douceur depuis le début de l'année, on les prépare peut-être à un possible reconfinement. On espère que non. Donc, on les habilite depuis le début, avec différents outils technologiques. Je pourrais vous dire qu'ils aiment beaucoup le courriel. J'en reçois depuis tout à l'heure sur ma montre. Alors, ils sont rendus très habiles avec le courriel, nos élèves. Ce qu'on a fait aussi, bien, c'est sûr qu'on s'est encore inscrit à des activités d'école en réseau avec d'autres écoles, ce qui fait qu'on va pouvoir vivre ces activités-là en classe. Et si jamais on est confiné, bien, on va pouvoir quand même le faire avec les enfants de la maison. Donc, ça va pouvoir se faire. Ce sont tous des outils, je pense, qui vont durer. Ce n'est pas juste pour cette année. Je pense que c'est des moyens qu'on met en place qui permettent aux enfants de vraiment développer leurs compétences technologiques. Mais pour finir, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant la pandémie, je le savais comme enseignante que le lien entre les élèves puis moi, c'était primordial. Mais la période de confinement puis d'enseignement à distance, bien, on a eu vraiment une relation privilégiée avec nos élèves puis avec les parents. Eux autres, les parents, c'était la première fois qu'ils pouvaient observer leur enfant comme élève. C'était aussi la première fois qu'ils pouvaient voir directement le travail que nous autres on fait comme enseignants avec leur enfant. Je crois vraiment que cette période difficile, bien, elle a fait naître des liens particuliers entre les familles et l'école. Merci.
Bon, il fallait que ça arrive une fois que je n'ouvre pas mon micro. Alors, je recommence. Merci beaucoup, Madame Quirion. C'était des beaux exemples dans votre présentation qui nous ont fait sourire. Puis c'est vraiment beau aussi là, de voir la collaboration entre différentes enseignantes de différentes écoles, de différents centres de services, de différentes régions. Alors, merci pour votre présentation. Je vais maintenant laisser la place au deuxième enseignant du panel. C'est un enseignant de troisième secondaire au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Depuis le début de la pandémie, il considère avoir bonifié son coffre à outils personnel et varié davantage ses pratiques. Alors, je vous présente Éric Larochelle. Bonjour à vous tous. Tel que mentionné, je me nomme Éric Larochelle. J'enseigne maintenant depuis presque 30 ans à l'École secondaire de Saint-Anselme, commissaire scolaire et centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Actuellement, je suis en troisième secondaire, bien évidemment. Pour vous situer, plusieurs des écoles de notre centre de services se trouvent dans une zone relativement défavorisée. Il s'agit essentiellement d'une région rurale de la rive sud de Québec. Comme plusieurs d'entre vous, probablement aussi, l'annonce de la fermeture des écoles par le premier ministre au printemps m'a plongé instantanément dans l'inconnu en ce qui a trait à ma pratique pédagogique. Après le choc initial, rapidement est apparu le besoin de poursuivre ma tâche d'éducateur. Par contre, toutes les pratiques quotidiennes possibles en personne dans un établissement scolaire devaient être revues et adaptées à la nouvelle réalité. Il fallait aussi faire vite afin de minimiser les pertes de motivation de nos élèves. Heureusement, plusieurs avenues de formation sont apparues rapidement. Il nous a donc été possible, à titre d'enseignant, de profiter des offres de formation de notre commission scolaire, ainsi que des formations de la TELUC et de la GRIX, pour ne nommer que celle-là. À cela s'ajoutait aussi tout le support technique de la commission scolaire lorsque nécessaire. C'est ainsi que des outils comme Teams, Zoom, Mosaic, Outlook, Screencast-O-Matic, Insight, ShowMe, pour ne nommer que ceux-là, sont rapidement devenus partie intégrante de notre quotidien. Aussi, plusieurs maisons d'édition avaient rendu disponibles gratuitement en format numérique les différents cahiers d'exercices et manuels scolaires. Nous avons littéralement été plongés par la force des événements dans un tourbillon qui nous a amené à apprendre en accéléré et plus en profondeur ce que nous connaissions peu et de façon assez superficielle. Ce qui était complémentaire dans notre pratique pédagogique en personne au sein de nos institutions est devenu tout simplement incontournable, voire essentiel, maintenant que nous étions à distance. De mon côté, j'ai vécu ces premières semaines comme une formidable occasion d'investir du temps à approfondir les différents outils disponibles à une pratique pédagogique adaptée au nouveau mode à distance. C'est ainsi qu'est apparue naturellement une routine quotidienne partagée entre différentes tâches, contact avec les élèves, contact avec les collègues et surtout formation continue. J'en ai donc profité pour planifier à mon horaire quotidien les formations à suivre. Je me suis donc fait un devoir d'y assister, sachant que tout ce bagage me serait assurément utile dans un avenir approché. Inutile de dire que l'urgence de la situation m'a particulièrement motivé. De plus, d'une semaine à l'autre, de mars à juin, se sont révélés de nouveaux réflexes pédagogiques et aussi certains constats, parfois heureux, parfois moins. J'ai pensé vous partager, plutôt en vrac, quelques-unes de mes constatations faites à la fin de l'année scolaire. D'abord, l'enseignement en ligne à la façon présentielle est difficilement réalisable. Simplement placer une caméra devant un enseignant ou une enseignante et établir un contact numérique, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment l'utilisation de la panoplie d'outils disponibles qui rend l'enseignement à distance dynamique et efficace pour l'apprenant. Il est difficilement possible pour ce dernier de simplement assister virtuellement à un cours magistral comme s'il se déroulait en personne. Pensez qu'un adolescent puisse être passif devant son écran pour 4 périodes de 75 minutes par jour, et cela pendant des semaines, ça relevait un peu de l'utopie. Donc, la variation dans le choix des outils pédagogiques et des modes d'enseignement à distance, c'est vraiment gagnant. Que ce soit l'enregistrement de simples capsules, de rencontres individualisées ou en petits groupes, de pédagogie inversée ou de simples appels téléphoniques, l'utilisation variée d'approches constitue un élément important au maintien de la motivation de l'élève. Pensez également que les élèves de l'an 2020 sont tous naturellement habiles avec les outils technologiques, c'est une erreur à ne pas commettre. Même si plusieurs d'entre eux montrent un talent certain quant à la connaissance des technologies,
Ils en apprécient l'utilisation modérée et surtout signifiante. Aussi, il ne faut pas négliger l'enseignement de l'utilisation de l'outil en lui-même. La simplicité de l'outil utilisé a également sa place pour ne pas passer à côté du développement des compétences visées. La liste des outils technologiques communs à l'équipe des enseignants doit être clairement établie et plutôt limitée. Il devient si possible individuellement pour chaque enseignant de greffer certaines applications pédagogiques plus spécialisées à leur domaine, évidemment, sans trop alourdir la quantité d'outils à maîtriser pour l'apprenant. L'isolement prolongé de l'apprenant lors d'une pédagogie entièrement à distance, comme on l'a vécu ce printemps, ça finit par lui être nuisible affectivement. L'isolement fait aussi ressortir de façon parfois flagrante les particularités individuelles de chaque milieu familial, bien évidemment. Les conditions socio-économiques du milieu nous apparaissent nettement plus évidentes. Par exemple, passer une journée complète en ligne pour un élève membre d'une famille de 5 ou 6 enfants avec seulement un ordinateur disponible relève du domaine de l'impossible. En terminant, j'aimerais vous présenter très brièvement quelques changements dans ma pratique pédagogique depuis la rentrée 2020. D'abord, j'ai fait un choix de cahier d'exercice cette année en portant une attention particulière au volet numérique et aux outils de gestion de travail à distance, ce qui pour moi n'était pas nécessairement un considérant primordial lors des années précédentes. J'ai aussi constaté la nécessité d'amorcer très tôt dans l'année l'enseignement de l'utilisation des outils technologiques à disposition. Bref, il y a eu une collaboration immédiate avec les responsables TIC pour cibler des apprentissages de base en vue d'un enseignement en ligne. On le vit cette semaine. J'ai ressenti le besoin de procéder rapidement à des situations de travail à distance, notamment l'envoi de travaux par voie numérique. Également, j'ai porté une attention particulière au rodage de la communication individualisée par l'outil de conversation Teams, là, à la façon texto un peu. Je nous invite à faire attention aux textos hors des heures de classe et les week-ends. Le droit à la déconnexion va prendre son sens et prend son sens ici maintenant. J'ai proposé d'emblée à mes élèves une utilisation accentuée des sites Internet dans la réalisation de leurs tâches. Allô prof et l'école ouverte pour ne nommer que ceux-là. Bref, des ajouts nécessaires vu le contexte, mais qui, au final, ont contribué aussi à l'élargissement de mon coffre à outils pédagogiques, ce qui, je présume, est assurément au profit de mes élèves une amélioration dans ma pratique. Donc, ce fut un plaisir pour moi de vous entretenir brièvement de mon parcours depuis le début 2020. Je conclurai donc en disant simplement que cette pandémie sera à terme une épreuve marquante de notre vie, mais sous certains aspects, elle aurait été aussi évidemment une occasion de remise en question, ce qui est bien souvent très positif dans un cheminement autant personnel que professionnel. Merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Larochelle. Très belle conclusion. Puis merci là, de nous avoir partagé vos constatations. Nous sommes déjà rendus autour du dernier panéliste, mais non le moindre, M. David Pelletier. Il est directeur d'établissement au Centre de services scolaires des navigateurs. Il est reconnu comme un directeur qui est très dynamique, qui est surtout très positif. Il tente de voir la pandémie comme un moteur de changement et de développement professionnel. Monsieur Pelletier, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Ruel. Je vais donc débuter par partager mon écran. Voilà. Et je débute. J'ai mis un chronomètre sur mes diapositives. Donc, si j'accélère le rythme, c'est tout simplement que je veux rentrer dans le temps. Je me suis pratiqué, puis en plus, la cloche sonne à 15h10, puis je sais que ça va être peut-être un petit peu bruyant autour de moi, donc j'en suis sincèrement désolé. Alors, voilà. Travaillant au sein d'une organisation qui met de l'avant des méthodes issues de la recherche, je suis en quelque sorte rassuré en mars 2020 de pouvoir me référer à des ouvrages comme, par exemple, le leadership scolaire de la recherche aux résultats et la cohérence mettre en action les moteurs efficaces du changement en éducation. La fermeture des écoles, leur réouverture, puis la rentrée scolaire en temps de pandémie sont des situations qui, tout comme vous, je n'avais jamais vécues. Je me suis donné comme objectif, finalement, de les voir comme une opportunité de m'inspirer des modèles de leaders que je connaissais personnellement et aussi des cadres théoriques sur lesquels je lisais présentement. En cette année scolaire particulière, sur plusieurs points de vue, je garde en tête, lors de mes analyses réflexives sur mes pratiques de gestion, les 21 responsabilités du leader scolaire que font sortir Marzano et ses co-auteurs. Puisque dans ce panel, il est question justement de ce qui est vrai aujourd'hui pourra être faux demain, je vais vous parler principalement de 7 actions de la liste qui sont des facilitateurs pour transformer un milieu scolaire. Je vais m'appuyer avec quelques exemples concrets de changements positifs dont je suis sûr que nous pouvons tous être témoins.
Le contexte actuel nous amène à gérer bien plus que la vie quotidienne d'une école. Notre système scolaire subit un changement profond, puis depuis quelques mois, modifié de façon fondamentale. Ça serait facile de tomber dans des aspects négatifs, mais il faut savoir que les leaders donnent souvent le ton émotionnel, donnent souvent le ton sur le plan émotionnel de ce qui se passe dans leur milieu. Le moment est donc approprié pour appuyer des changements avec un certain dynamisme et de l'optimisme pour créer un climat de confiance et démontrer une certaine ouverture aux idées nouvelles puis aux innovations. Plusieurs dirigeants du milieu de l'éducation y voient aussi une occasion incontournable pour transmettre des messages positifs et de remerciements aux membres de leur organisation. Les leaders du monde scolaire assurent aussi la responsabilité d'être un agent de changement. La COVID-19 bouleverse temporairement l'équilibre de nos écoles. Rien n'est simple en ce moment, mais l'incertitude et les questions complexes doivent être vues comme des situations stimulantes pour l'engagement des membres d'une équipe. Pour atteindre la destination réussite, le leadership pédagogique va venir faire toute la différence, car ces pilotes de changement utiliseront leurs connaissances sur les stratégies d'enseignement efficaces et d'évaluation. Par exemple, il y a des écoles qui avaient déjà amorcé un changement pédagogique, ont pu comprendre l'importance de ce dernier alors qu'elles sont confrontées maintenant, ce début d'année, aux écarts entre les élèves. Les membres du personnel enseignant suivent tout à coup les nouvelles idées de leurs collègues leaders en la matière. On connaît tous également plusieurs gardiens de ces nouvelles pratiques qui feront l'évaluation et la supervision de ces dernières. Les équipes de ces précurseurs ont cheminé pour finalement atteindre un stade où la vision de leur école et les actions pour la mettre en œuvre sont claires pour tous. Il ne faut pas oublier que la cohérence demeure essentielle dans une situation comme celui de la pandémie. En ces temps plus difficiles, les visionnaires voient leur collectivité gagner en efficacité lorsqu'on utilise les données qui sont planifiées de façon régulière tout au cours de l'année scolaire pour cibler les besoins de l'organisation et des élèves pour favoriser leur réussite. Ces mois-ci, il y a aussi la vision des meneurs qui doit s'élargir pour aider ces derniers à relever les nouveaux défis qui se présentent depuis mars 2020. On a tous le réflexe de vouloir partir de solutions qui existent déjà, mais c'est vraiment la flexibilité des décideurs qui va faire en sorte que les tensions vont se transformer en processus créatif. Je pense ici à tous ces responsables qui, COVID-19 oblige, adaptent leur style de gestion et leur comportement, puis acceptent aussi les différences d'opinion qui font en sorte qu'on réfléchit pour voir les choses différemment puis pour faire autrement. On le sait, la tâche des intervenants scolaires est déjà bien garnie, puis les maîtres dans l'art du leadership vont offrir du temps et des ressources pour maintenir quand même une stimulation intellectuelle, pour être à l'affût des théories puis des meilleures pratiques les plus récentes, surtout pour le fonctionnement d'une école en temps de pandémie. C'est ainsi que le passage accéléré à la pédagogie numérique peut se réaliser. En quelques semaines seulement, plusieurs écoles, stimulées par une certaine urgence d'agir, se sont lancées dans la découverte, l'expérimentation puis l'auto-formation sur les plateformes synchrones et asynchrones. Plusieurs instigateurs du monde scolaire sont d'accord pour que leurs écoles soient des milieux d'apprentissage illimités pour les élèves et pour les gens aussi, pour les adultes qui y travaillent. Pour les mois à venir, le défi de ces guides sera certainement de maintenir leurs attentes élevées dans leur milieu. Inspiré de Carol S. Dweck, je crois qu'il faudra aux leaders scolaires plus que jamais trois choses, c'est-à-dire des stratégies appropriées pour que tous puissent apprendre, la valorisation des efforts et également de vivre des succès puis les souligner. En conclusion, être un leader scolaire, peu importe son corps d'emploi, c'est être capable de prendre conscience que les acteurs du monde de l'éducation démontrent une capacité d'adaptation remarquable. On sait tous qu'on est toujours capable de plus qu'on le pensait, mais il est tout de même important de ne pas passer sous silence que ce qu'on vit présentement, ce que nous répondons en ce moment, ce sont des exigences qui peuvent parfois nous paraître insensées, surtout dans un contexte particulier. C'est notre engagement pour le bien-être physique et psychologique des élèves qui va nous permettre et qui nous permettra encore de gérer avec aplomb ces demandes, en exerçant notre jugement puis en faisant la part des choses, parce que notre propre bien-être est tout aussi important. Tiré de l'ouvrage de Follum et Queen, je termine en vous disant que les systèmes scolaires ordinaires peuvent accomplir des choses remarquables, connaître des succès durables, lorsqu'ils focalisent leur attention sur la chose la plus importante et qu'ils gardent le cap. Depuis le début de la pandémie, on observe le travail acharné de ces vainqueurs scolaires qui mobilisent leurs ressources pour apprendre et faire apprendre. Ça, c'est un des impacts les plus positifs qu'on puisse observer. Puis les stratégies utilisées par ces derniers, bien, sont à la portée de tous. Puisque nous sommes devant le fait que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain, je termine en vous disant qu'il est bon de se rappeler que plus on s'habitue à côtoyer l'inconnu, plus on se rend compte que les percées créatives sont toujours précédées de périodes de troubles, de confusion, d'exploration, d'essais, d'erreurs, de stress, mais elles sont également suivies de périodes d'excitation, de fierté, de renforcement de la confiance, et ce, même si on a affaire à des changements comme la COVID non désirés.
Merci beaucoup, M. Pelletier. Je pense que c'était très bien de terminer avec le leadership scolaire, qui a toujours été très important, mais c'est ainsi encore davantage. Et je crois que les gens seraient fâchés si je ne mentionnais, si je ne faisais aucun commentaire sur votre présentation. Vraiment très artistique, c'était magnifique. On vous a reconnu. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est deux des membres du personnel de mon école qui m'ont fait le sketch note? Moi, j'ai juste produit les idées, mais j'ai mis à contribution mon équipe. Bon, ben oui, vous avez bien fait de le dire et vous les féliciterez. Alors, merci beaucoup à tous les panélistes. C'était vraiment très intéressant. Il nous reste encore quelques temps, donc on va passer à la période de questions. Comme j'ai dit là précédemment, au cours des dernières semaines, on a reçu des questions qui vous étaient attribuées. Donc, parmi celles reçues, nous avons sélectionné celles dont les idées revenaient le plus souvent. Donc, chaque panéliste se fera poser directement une question. Je vais y aller à tour de rôle. Et par la suite, si vous avez des choses à ajouter, gênez-vous pas là, de nous faire signe. On va vous laisser la parole. Je pense que ce serait intéressant, là, après les questions, d'entendre d'autres panélistes répondre. Alors, nous allons commencer par la question de Mme Lassonde. Alors, Mme Lassonde, selon vous, considérant les différents éléments bénéfiques qui ont été apportés là, par les multiples changements, on en a entendu quelques-uns, quels sont qui vont perdurer? En fait, c'est plus un souhait que une constatation de la réalité, mais les deux souhaits que je ferais, là, ce serait que la formation à distance, mais flexible, puisse perdurer. Bon, M. Allaire en faisait référence à ça. On parlait du secondaire, mais je pense que ça devrait être à tous les niveaux que la formation à distance, hybride ou accessible en tout temps, puisse être vraiment... offerte à tous les jeunes, que ce soit au primaire ou au secondaire ou au collégial ou universitaire. Il y a beaucoup, vous savez, une augmentation d'inscription à l'université maintenant parce que la formation à distance est offerte. Pour les jeunes, il y a des jeunes très anxieux. Certains jeunes sont bien avec, parfois avec la formation à distance, et qu'on puisse avoir de la souplesse là-dedans. Vraiment, là, je regarde ce qui se passe présentement. Bon, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont COVID ou leurs parents le sont, dont eux, ils ont droit à la formation à distance. Les enfants qui tombent malades, mais pas à cause de la COVID, n'ont pas le droit à la formation à distance. Ceux qui sont exposés à et qui ont peut-être la COVID, n'ont pas la formation à distance. Voyez-vous, c'est un grand souhait, là, qu'on puisse avoir de la souplesse dans tout le système pour qu'on puisse y avoir accès. Ça, c'est un premier souhait. Puis le deuxième souhait, on disait tout à l'heure, notre dernier intervenant disait que dans tous les temps de crise, il peut y avoir de grands changements. Moi, mon grand souhait, c'est que le rapport à l'évaluation change, qu'on puisse se servir de cette crise-là pour vraiment penser que l'évaluation, c'est fait pour aider, c'est fait pour amener les enfants, les élèves, les étudiantes, étudiants à un autre niveau, mais les amener le plus loin possible par rapport à eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un grand souhait que cette... J'espère vraiment que cette crise va nous permettre d'y accéder. Voilà. Et merci beaucoup. Ces deux souhaits magnifiques. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui voudraient ajouter soit un souhait ou... Je vois non. Alors, nous allons passer à la deuxième question qui sera posée à M. Allaire. Bon, considérant les défis d'adaptation et les besoins d'accompagnement qui sont ressortis avec la pandémie, selon vous, quelles actions concrètes pourraient être posées pour mieux soutenir les acteurs dans les différents milieux pour les prochains mois? En fait, je pense que la première chose que je vois, c'est de poser la question aux acteurs eux-mêmes pour savoir de quoi ils ont besoin. Je ne sais pas jusqu'à quel point on le fait suffisamment. Mais je pense que c'est très instructif de faire de façon peut-être un peu plus systématique. Une deuxième piste que je vois, pour entendre parler, je ne sais pas si c'est une situation qui est généralisée là, à l'ensemble des centres de services scolaires, mais moi, ce que j'entends, c'est que, puis c'est normal, là, il y a plusieurs formations qui sont suspendues, des formations qui actuellement sont dispensées par le conseil pédagogique qui sont suspendues pour des raisons qu'on connaît, là, évidemment. Là, on est en situation d'urgence, il faut s'adapter à des nouvelles. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un bassin de gens qui font habituellement des choses, qui font peut-être moins ces choses-là et qui pourraient peut-être être mises à profit différemment.
Ça, c'est une deuxième piste que je vois. Puis une troisième piste que je vois, c'est j'ai la difficulté à comprendre pourquoi on ne sollicite pas plus à l'heure actuelle les étudiants en enseignement. Les étudiants qui sont dans les universités, en formation primaire, en formation secondaire. Il y a des enseignants qui sont pris pour enseigner à des groupes qui comportent un nombre particulièrement important d'élèves en difficulté. Pourquoi on n'établit pas plus de partenariats pour impliquer les étudiants qui sont en formation, pour offrir une forme de soutien? Puis ce que je trouve, moi, c'est que ce serait une expérience très, très enrichissante pour leur propre formation. Alors, sommairement, là, je vois ces trois pistes là, pour le moment, pour la prétention que ce soit exhaustif. C'était pas ce qui était demandé non plus. Merci beaucoup. Puis, vous avez quand même dit qu'on pourrait demander aux enseignants, aux gens du terrain. Je ne sais pas si les gens du terrain auraient quelque chose à dire. Je ne vous oblige pas à prendre la parole. Là. C'est seulement si vous avez des pistes à ajouter à celles proposées par M. Allard. Je me permets. Les ressources de proximité concernant l'accompagnement sont souvent très appréciées. Les ressources au niveau local, là, à très petite échelle dans nos écoles. Nous, la commission scolaire a été très, très active dès le départ. On a vraiment apprécié ça, nous, les enseignants. Donc, quand on parle d'accompagnement, là, moi, pour ma part, au printemps, les ressources de proximité ont été nos premières ressources, les responsables TIC dans les écoles. Donc, moi, je pense que c'est avec des gens qu'on côtoie régulièrement, là, qui sont près de nous, qu'on peut... à qui on peut avoir accès facilement, qui sont des gens, des ressources, en fait, qui sont intéressantes à avoir dans ces situations-là. Moi, je me permets de dire qu'au niveau local, c'est peut-être un peu mieux, même encore. Merci beaucoup, M. Larochelle. Vous avez raison. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient ajouter quelque chose ou c'était complet? C'est complet. Parfait. Donc, nous allons poser la question à la troisième panéliste, Mme Gabot. Nous, pour vous, on a reçu une question par rapport aux limites du soutien en ligne. Donc, selon vous, quelles sont rapidement les limites du soutien en ligne? Puis, il y avait aussi deux petites sous-questions que je vous pose tout de suite par rapport à est-ce réellement possible de garder les interactions entre les élèves, mais aussi de construire un lien signifiant entre l'enseignant et l'apprenant. Oui, c'est une question intéressante qui me donne la permission de ne plus parler juste de positif, des limites. Oui, j'ai bien réfléchi à cette question-là, puis ce qui me vient, c'est vraiment la sphère émotionnelle dans l'apprentissage. Je trouve que pour moi, c'est la principale limite. Ça fait un lien direct avec les capacités socio-numériques dont M. Allard parlait tantôt, qui sont tellement importantes à développer. Pour vous aider à avoir mon point de vue en particulier, je vous rappelle que moi, j'étudie les collégiens qui sont en grande difficulté. J'étudie leur motivation à apprendre. Puis, mes données de recherche depuis une dizaine d'années me permettent d'être pas mal affirmative sur l'idée que pour arriver à stimuler leur motivation à eux, passer par les émotions, c'est drôlement efficace. C'est plus efficace que de passer par d'autres ingrédients de la motivation. Et ça, c'est différent par rapport aux étudiants réguliers ou aux étudiants qui performent, qui n'ont pas nécessairement besoin de ressentir des émotions positives dans leur apprentissage pour performer, même s'ils n'aiment pas leur cours, ils vont passer pareil. Tandis que les étudiants en grande difficulté ont besoin d'aimer leur cours ou d'avoir des émotions positives dans leur cours, dans leur situation d'apprentissage pour arriver à être motivés. Dans l'enseignement à distance, Dans la relation pédagogique, pardon, il y a comme deux grandes dimensions dans la relation pédagogique. Il y a la dimension du soutien pédagogique, accompagner nos étudiants vers leur réussite, faire ce qu'il faut faire pour les aider à réussir. Mais il y a toute la dimension d'émotion dans les interactions humaines qu'on a avec eux. Ces deux grandes dimensions-là sont très importantes, toutes les deux, dans l'établissement d'une relation pédagogique. Puis moi, je pense que dans l'enseignement à distance, la partie émotionnelle fait défaut. Il faut développer des capacités socio-numériques. J'aime ça, cette expression-là de M. Allard. Il faut développer ça parce que je pense que, pour moi, de mon point de vue, c'est ce qui fait défaut. C'est la principale limite, je pense. Merci beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, on va retenir capacité socio-numérique. Il y a d'autres personnes aussi là, qui ont vécu l'enseignement à distance. Je ne sais pas si certains voulaient ajouter des choses, c'est complet.
Je ne vois pas de micro qui s'ouvre, alors je vais passer à la prochaine question à Madame Quirion. Donc, avec l'École en réseau, vous avez abordé là, le thème de la collaboration, de la coopération avec les autres enseignants. Donc, la question va un peu dans ce sens-là. En ces temps de distanciation, que pensez-vous des stratégies pédagogiques basées sur la coopération et la collaboration? Alors, c'est sûr que moi, comme enseignante, ça fait vraiment partie intégrante de ma pédagogie. Hein. Je vous mentirais, on travaille en co-enseignement, ma collègue et moi, depuis plusieurs années. On a fait partie du projet des écoles en réseau où on collaborait parce que j'étais dans les petites écoles avant. Donc, où les enfants, on les faisait collaborer pour qu'ils puissent être en relation avec des jeunes de leur âge parce qu'on était dans des petits milieux. Donc, il n'y avait pas l'occasion de travailler avec plusieurs personnes de leur âge, donc avec l'école en réseau, ça nous permettait d'y arriver. Donc, quand on y arrivait en confinement, moi, je me voyais mal ne plus avoir ces stratégies-là et on se disait, bien, il faut les utiliser ou les faire autrement. Donc, c'est sûr que les concertations avec les outils numériques, avec Zoom ou VIA ou peu importe la façon dont on le fait pour se rencontrer entre enseignants, pour se mettre au point nos stratégies, comment on va intervenir. Si on a besoin d'aide, bon, on peut se rencontrer. Rencontrer les parents aussi, donc avec différents moyens, autant la caméra que la page Facebook, que le courriel. Alors, c'est de mettre tout ça ensemble pour être capable de coopérer, collaborer et participer, dans le fond, aux activités d'école en réseau, là, qui nous fait nous ouvrir partout au Québec. Moi, je me disais, c'est un plus pour nos élèves. Puis moi, comme enseignante, ben j'ai eu la chance de travailler avec des profs de partout au Québec pendant le confinement qui m'ont partagé leur expérience, ce qui fait qu'on a collaboré ensemble, on s'est formé à distance ensemble en réseau. Puis même les élèves, puis je fais référence à Mme Cabot, puis c'est vrai ce qu'elle disait tout à l'heure, j'étais d'accord que le côté émotif est plus difficile. Je pense que la chance qu'on a eue l'an passé, c'est que cet esprit-là de collaboration, de coopération, on l'avait déjà instauré en classe. En tout cas, nous, au primaire, c'est peut-être encore plus facile, c'est sûr, on les a toute la journée avec nous. Alors, quand on est arrivé en ligne, il y avait un bout de fait. Je me questionnais quand je l'écoutais parler, puis je me disais, je ne sais pas si on était tombé en confinement en début d'année. Est-ce que, sûrement que ça aurait été plus difficile d'instaurer cette belle relation-là, tu sais, on les connaît, l'an passé, on les connaissait beaucoup. Donc, on en a vu naturellement arriver des gestes de collaboration entre les enfants, parce qu'ils se connaissaient déjà. Donc, tu sais, mon élève qui a aidé à brancher les autres à distance, quand je les voyais en atelier s'entraider en mathématiques, puis se donner des façons de faire, puis moi, je fais ça comme ça, puis là, ils discutaient ensemble. C'était magnifique de les voir. Puis là, tout à l'heure, ça m'a même questionné, Mme Cabot, je me disais, est-ce que mes élèves, cette année, ils feraient la même chose tout de suite? Je ne sais pas. Tu sais, là, j'étais en questionnement. C'est comme une question que je me suis lancée, une réflexion que je me fais à moi-même. Puis, tu sais, en même temps, les enfants, ils ont trouvé ça dur, le confinement. Puis, je pense que de collaborer ensemble, de se rencontrer, puis tout ça, je pense que ça leur a une petite ouverture. Ça leur a fait prendre conscience que même à la maison, tout seul, bien, on peut être ensemble puis coopérer. C'est juste qu'on le fait d'une façon différente. On ne voudrait pas que ce soit toujours comme ça, mais on peut quand même le faire. Puis là, depuis qu'on est revenu, c'est sûr que nous, au primaire, le concept de bulle classe, bien, la coopération, la collaboration, c'est facile parce qu'ils n'ont pas de distanciation dans la classe. Donc, on peut faire des choses, on peut utiliser du matériel, mais on les prépare à si jamais. Alors, je me dis, on sème des petites graines si on retourne en confinement, mais j'espère qu'on pourra encore vivre des beaux moments comme l'an passé. Voilà ce que j'en pense. Merci beaucoup. La collaboration, c'est quand même un sujet central. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter à ce sujet? Non. Alors, je vais passer à votre question, M. La Rochelle. Elle traitait spécifiquement la collaboration, mais au secondaire. Alors, la question était, il peut être difficile parfois d'amener les enseignants à collaborer entre eux au secondaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion, durant la pandémie et encore maintenant, d'améliorer la collaboration avec vos collègues? De votre niveau, de votre discipline, etc. Donc, merci. Je me permets d'abord, par contre, d'apporter tout de suite une petite nuance à l'énoncé initial de la question. Ce n'est pas nécessairement difficile d'amener les enseignants à collaborer. D'emblée, là, pour la majorité des enseignants, c'est un besoin fondamental, là, la collaboration, là, dont on va se satisfaire volontiers là, quand c'est possible. Ce qui est plus difficile, à titre de précision, là, je vais ajouter, qui est plus difficile au quotidien, en fait, c'est de créer les conditions favorables à la collaboration. Donc, c'est le feu roulant des journées dans une école qui constitue des fois peut-être un obstacle à tout ça.
Donc, curieusement, par contre, pour ma part, moi, pendant la pandémie, elle a créé naturellement des conditions favorables à la collaboration avec mes collègues. D'abord, la simple mise en place au niveau organisationnel là, de la nouvelle journée en classe virtuelle, ça a été une occasion de nombreux échanges avec mes pairs. C'est impossible de s'isoler lors d'un exercice semblable. Là. Toutes les suggestions, essais, erreurs, c'était tout bon à diffuser. Si on transmettait l'information, là, il y avait un canal de communication qui était quand même établi. On partageait nos découvertes, nos façons de faire, nos difficultés. C'était dans une espèce de sprint d'apprentissage aussi là, des outils technologiques. Puis la validation de ces apprentissages-là, elle se faisait presque, toutes ces connaissances-là, la validation, tout ça se faisait presque en temps réel, là, parce qu'on expérimentait quand même au fur et à mesure qu'on apprenait avec les élèves. Donc, c'est impossible aussi de ne pas parler de la collaboration avec nos collègues qui étaient des responsables TIC dans les écoles. Et ces gens-là ont travaillé vraiment sans relâche là, pour nous accompagner dans nos essais pédagogiques. Leur rôle a été amélioré, a été agrandi là, vraiment là, par rapport à ce qu'il y avait quand on n'est pas en temps de pandémie. Donc, ils étaient sollicités, ces gens-là, de toutes parts, puis à toute heure du jour. Là, leur collaboration a vraiment été inestimable. Là. Puis finalement, malgré une variation possible à l'échelle individuelle des outils utilisés, la coordination avec les collègues, elle demeure essentielle. Question de ne pas trop s'éparpiller et par le fait même que les élèves s'y perdent. C'est-à-dire que la collaboration et la coordination, c'est deux actions essentielles lors d'une pandémie. À noter aussi le prolongement de cet esprit particulier de collaboration-là là, lors de la rentrée. Certains nouveaux réflexes acquis durant le confinement au printemps, ils demeurent en place. Probablement de façon durable aussi, on présume. À titre d'exemple, l'utilisation des outils de transmission vidéo qui facilitent certaines rencontres entre collègues. On n'a pas vraiment besoin d'être tous au même endroit pour organiser une rencontre comme on le fait actuellement. Donc, c'est à peu près ça, là, les éléments de réponse que j'avais pour la question qui m'était posée. Merci. Merci beaucoup. Puis si aucun panéliste souhaite ajouter quelque chose, je vais aller avec la question au dernier panéliste qui était davantage, pas nécessairement directement par rapport à vous, mais plus au centre de service. Donc, c'était posé, M. Pelletier, quelles ont été les actions posées par les services éducatifs de votre centre de service qui ont été les plus porteuses au cours de cette période d'adaptation? C'est sûr que la liste, ça pourrait être longue. Hein? On parle des services éducatifs d'un centre de service. Les tâches sont partagées. On parle quand même d'un leadership partagé, le leadership pédagogique entre les directions d'école qui vont un peu se former en comité pédagogique primaire, etc. Mais avant tout, il y a eu, de la part de nos services, nous, sans avoir de boule de cristal encore une fois, il y avait quand même vu la nécessité qu'on mette en place dans nos écoles vraiment des missions, chacun notre mission, notre vision puis nos valeurs bien définies dans chacun des milieux. Donc ça, c'est un travail qui avait été fait en amont, mais qui a été essentiel, là, dans le fond, parce qu'on a réutilisé nos missions, notre vision puis nos valeurs tout au long là, de la gestion dans cette crise. Je suis allé, pour répondre à la question, dans le fond, je suis allé aussi avec les actions, là, justement, par rapport au leadership. Donc, ça correspond aux idéaux puis aux convictions des services éducatifs. Ensuite, au niveau des stratégies d'enseignement, d'évaluation, bien, c'est certain que, présentement, on est en grande mouvance, je vous dirais, dans les approches pédagogiques. Donc, autant au niveau de l'évaluation du service de l'apprentissage qui, depuis quelques années, s'implante beaucoup dans nos milieux. Donc, on voit la nécessité de revoir l'évaluation pour qu'elle soit plus au service de l'apprentissage en ce moment. Il y a aussi toute la mise en place des structures collaboratives dont on a fait part tout à l'heure. On fait partie de ces écoles qui sont accompagnées par le CETREC. Donc, depuis 2 ans, on a la chance de travailler en collaboration avec quelqu'un qui nous accompagne là-dedans et nos services éducatifs, bien sûr. Puis, tout ce qui est pédagogie numérique, donc les services éducatifs au niveau des stratégies d'enseignement et évaluation sont là pour nous accompagner. Puis, il y a une équipe avec eux, donc les conseillers pédagogiques qui ne se déplacent plus vraiment dans les écoles. Tout à l'heure, M. Larochelle parlait là, de la proximité d'accompagnement. Bien, c'est vrai qu'on en a besoin et les CP sont là pour nous soutenir. Ils ont fait preuve aussi de flexibilité dans les dernières années parce qu'on voit une tendance au niveau des services éducatifs à se réinventer, donc à revoir un peu la façon de faire, à voir les choses différemment à la part des CP. On a beaucoup d'agents multiplicateurs qu'on appelle des leaders dans nos écoles, au niveau du centre de service scolaire, des navigateurs.
Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Également, la décentralisation des sommes pour la libération des membres du personnel. Donc, tout ça, là, on voit une nouvelle façon de penser qui s'en vient. On est plus flexible, on est ouvert à la discussion également avec les directions d'école. Puis, c'est quand même un temps, je vois que c'est un temps charnière pour les services éducatifs. Ils doivent se redéfinir et ils ont emboîté le pas là, ici au navigateur. Et ensuite, bien, la stimulation intellectuelle, c'est ce qui me vient surtout en tête dans les actions là, qui ont marqué là, dans cette période de la COVID-19. La formation, on en a eu plus, l'accompagnement plus aussi, malgré le fait que c'était pas toujours en présentiel, mais on en avait besoin. C'est ça, la formation des leaders pédagogiques dans nos écoles pour permettre à un leader d'aller rencontrer un conseiller pédagogique, puis ensuite, lui, de répandre la bonne nouvelle, disons, pédagogique, puis les leaders pédago-numériques aussi qu'on a dans chacun de nos milieux. Donc, ça fait beaucoup d'acteurs, mais tout ça, c'est coordonné entre la direction d'école et les services éducatifs et la direction générale. Donc, tout ça, c'est un travail d'équipe et de collaboration, finalement. Mais c'est ça, la liste pourrait se poursuivre, mais en lien avec les sept actions principales dont je vous ai fait mention tout à l'heure, là, ce serait ça, les actions des services éducatifs de notre milieu. Merci beaucoup, M. Pelletier. Là, il est déjà 15h28. On voulait finir à 15h30 et je tiens vraiment à relaisser la parole à Mme Théberge et à Mme Saint-Pierre pour le mot final. Par contre, rapidement, Mme Lassonde, on avait eu une question dans le question-réponse qui vous demandait si le travail avec les groupes, les cellules conseil, pardon, se poursuivrait. Oh, attendez, votre micro, ça ne sera pas bien. Oui, alors oui, ça se poursuit encore. Les gens sont tellement dévoués. Puis, je dois dire que ce qu'on apprend finalement, c'est l'état un peu de stress qui est vécu dans les écoles, dans les collèges, les universités. Parfois, c'est émouvant de voir la quantité d'efforts que les gens mettent. Et oui, on les poursuit encore, ces cellules conseil. Pour nous, c'est extraordinaire d'avoir cette information-là. Puis, on publie encore nos conseils de la semaine, mais on change un petit peu de formule. Là, maintenant, on publie des conseils de recherche là, sur la COVID et vraiment liés à l'éducation. Puis, si vous me permettez un tout petit mot, justement, c'est qu'on a publié en juin un avis sur le bien-être des enfants à l'école. Puis, on parle tantôt d'habiletés socio-numériques, mais nous, on insistait vraiment sur l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles, à la fois des enfants, mais aussi du personnel. Et là, le personnel est vraiment dans un état, ce qu'on entend, c'est un état presque limite. Là, il y a beaucoup de créativité, oui, mais beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et je sais qu'il faut bien être positif, mais je ne peux pas néanmoins rester un petit peu inquiète de la situation. Alors, on va espérer qu'à toute chose, à tout malheur, quelque chose est bon, là, en tout cas, mais on est quand même, il y a quand même un petit peu d'inquiétude à avoir. Non, tout à fait. Mais merci beaucoup, Mme Lassonde, pour cette réponse-là. Et merci beaucoup à tous les panélistes. Je sais qu'il y a une autre question dans la question-réponse, mais qui est plus longue. Et malheureusement, on n'a plus de temps, mais je la transférerai, nous la transférerons à M. Allaire, si je ne me trompe pas. Merci énormément. Ça a été super intéressant et j'espère que les gens ont été inspirés. Il y a M. Pelletier, malheureusement, qui avait une autre rencontre à 3h30, donc il a dû s'éclipser. Alors, avant de laisser la parole à Mme Saint-Pierre et à Mme Théberge, je tiens à avertir les participants que vous recevrez par courriel un sondage d'appréciation. Nous, c'est toujours important pour nous d'avoir vos observations, vos commentaires, surtout que c'était notre premier événement en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et c'est toujours très, très, très apprécié. Alors, je vous remercie et je laisse la parole pour le mot final à Mme Sylvie Théberge et à Mme Linda Saint-Pierre. Bon, alors j'en profite évidemment pour remercier nos panélistes. Je vous dirai que j'ai été emballée par les propos de vous toutes et de vous tous. C'est un enrichissement réel en lien avec le partage des différentes réalités et des différents points de vue. Ça nous aide beaucoup à comprendre davantage toute la complexité de la situation que l'on vit actuellement dans les milieux éducatifs. Et ça nous aide aussi à voir qu'il y a de l'espoir, il y a des projets positifs qui en découlent, d'où l'importance de soutenir évidemment tous les milieux éducatifs. Et je vous dirais en terminant, les gens qui ont fait partie du panel, vos propos étaient passionnants et c'était évident pour moi que vous êtes des passionnés. Je tenais quand même à vous le dire
de vive voix. J'en profite aussi, avant de laisser la parole à Mme Saint-Pierre, pour remercier encore une fois les participantes et participants. On a été près d'une centaine aujourd'hui à suivre le déroulement de l'Assemblée générale et de l'activité spéciale. Alors, merci encore de cette préoccupation que vous avez pour les travaux et les activités du CETREC. Merci. Alors, je laisse la parole à Mme Saint-Pierre pour le mot de la fin. Alors, je joins ma voix à Sylvie pour dire merci aux panélistes et merci à vous toutes et tous d'avoir été présents. Puis pour les panélistes, bien, je pense que vos propos, c'est une source d'inspiration pour continuer à essayer de tirer des leçons pour la suite aussi. Et comme c'est très bien, nous avons besoin de regards croisés hein, à travers les différents ordres d'enseignement, de complémentarité puis de partage des expériences et des expertises pour justement essayer de continuer à avancer ensemble. Alors, et en dernier, je rappelle aux membres du CA de nous rejoindre par le lien Zoom pour la petite rencontre pour nommer les dirigeants de la corporation. Alors, ça termine ainsi et ben, bonne poursuite et on se dit à très bientôt. Il y aura sûrement d'autres rendez-vous à distance à venir. Alors, à la prochaine.